On se retrouve pour donc la suite, une nouvelle vidéo. Donc là on passe au deuxième match. Premier match donc j'ai gagné avec Roman Reigns contre Seth Rollins. Et là donc Kevin Owens contre Dean Ambrose. Je vais contrôler Dean Ambrose, hein, je vais le prendre, mettre à rejoindre là, juste avant que le match commence. Parce que Dean Ambrose en plus est moins bon que Kevin Owens au niveau du général. C'est un peu bizarre, mais bon. On va peut-être y changer, peut-être mettre au même niveau que Kevin Owens. Kevin Owens est à 91, je crois, là. Et Dean Ambrose 89. Donc, il faudra même les mettre tous les deux à 91. Hein, ou alors les deux à 89. Parce que Kevin Owens, en réalité, n'est pas meilleur quand même que Dean Ambrose. Hein. Ça, je comprends pas bien pourquoi ils ont mis Kevin Owens meilleur. Hein. Ouais, c'est parce que c'était au début du... En automne-novembre. Mais entre-temps, quand même, Dean Ambrose est bien monté, quand même. Ouais, il est le temps, c'est à toi de mettre à jour aussi, au fur et à mesure. Si t'es pas d'accord, il y a eu des changements. Peut changer les notes, peut changer les attributs et tout. Allez, c'est parti. Donc il va être plus dur ce match, hein, parce que... Plus dur que le premier, puisque Kevin Owens est meilleur. Hein, que mon perso, que Dean Ambrose. Attack continues. Oh man, this is getting tough to watch. Ouais, je suis bien dominateur pour le moment, hein, sur Kevin Owens. Pour le moment, Ambrose domine bien. Another amazing singles contest. These two never cease to entertain the WWE universe. Oh là là. Oh, il me l'a contré. Oh là là, il n'a pas contre, là, il a bien joué, hein. Et derrière, je recontre. Et la corde à linge, pof, allez, dégage du ring. Ouais, je vais peut-être... Il va se relever. Oula, il y a eu un bug, là. Ouh, je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu un bug. Ouf. Allez, soyons fous. Ça a failli. Big stop. And these guys are throwing bombs. They're pulling out all the stops.
faction like this has become synonymous with SmackDown over the years. God, there was nothing accurate about that attempt at offense. Oh, you're being too kind. Some people would use other words to describe what we just witnessed. Ah non, j'ai raté ça. Il y a des trucs que j'ai pas encore fait, mais bon. Mais comment ça se fait que je peux pas sortir de... Il y a un bug... Ah, quand même. Il y a des trucs que je comprends pas bien, là, mais... Ouh là là. Ah là c'est peut-être fini là. Ouais. Il était KO, il était bien KO. Ah c'est fini, Dean Ambrose gagne. Belle victoire de Dean Ambrose. Bien maîtrisé encore, ouais. Moi je suis qu'au niveau facile en même temps, ou normal, je sais plus. Ou facile ou normal, je sais plus. Ça doit être facile parce que j'ai un peu trop de facilité quand même là, je pense. Ça doit être le niveau facile. Ouais, il y aura quand je maîtriserai encore plus le jeu, bah je passerai au niveau normal, je pense. Il y aura bien, je pense que niveau normal c'est faisable aussi largement. C'est... Mais après, par contre, après le niveau normal, je sais pas si je m'y aventure, si je m'y aventurerai vraiment. Hein. C'est pas sûr. Suite du match. Suite du. Plus d'action, moins de blabla. Bah, je viens d'avoir un trophée. Ah oui, c'est Marc-Henri contre Goldust. Alors ce match-là, par contre, je vais le regarder. Hein. Je vais pas le jouer. Ouais, parce que j'aime pas trop les deux. Ouais, puis en plus, c'est les rivaux. Il y a des événements. Il y a eu Big Show, d'accord. Il y a le Big Show qui vient... Voilà, petite pause pour moi, je joue pas le match. C'est le Lia contre Lia. Avec le Big Show qui est venu juste avant que ça commence pour frapper sur Marc-Henri. Donc apparemment, voilà, le Big Show une relation avec Stardust. Non, Goldust. Je comprends les deux. Ouais, c'est de commenter le match le mieux possible. Mais comme je joue pas, je vais pouvoir mieux commenter le match. Goldust qui pour le moment a l'avantage sur Marc-Henri. Ouais, par contre, la Marc-Henri reprend l'avantage. Un bon coup par terre là. Il l'a bien. Ouais,
qu'est-ce qu'il va lui faire? Ouh là là! Ouais, il le projette par terre d'une force là, et ça fait des dégâts. Ouais, pour le moment, ça se passe à l'extérieur. Les deux superstars ne sont même pas rentrés sur le ring. C'est étonnant. Ouais, peut-être qu'ils vont y aller bientôt, je pense, parce que ça doit se passer sur le ring. Par soumission ou par décompte, hein, et puis alors, Victor par décompte aussi, par décompte à l'extérieur, après 10 secondes. Mais tant que les deux sont pas rentrés sur le ring, ça compte pas. Pour le moment, le match en fait n'a pas commencé. Ils peuvent rester autant qu'ils veulent à l'extérieur du ring, mais bon, ça peut prendre des heures comme ça. Ouais, allez, ce serait peut-être le moment d'aller sur le ring, non? Il est mort de rire quand même. Ah, voilà, ça y est, ils se sont décidés. Ouais, voilà, le match peut commencer. Ouh là, Goldust a failli gagner le match là. Deux mais pas trois. Henry's been a champion and has had his share of memorable moments on WWE programming. You know, Gold, Mark Henry's been considered one of the most dangerous men in WWE. He's made a career out of manhandling, destroying and annihilating opponents. Ils sont de nouveau dehors à l'extérieur du ring, et cette fois-ci il y a un décompte hein, qui est de 2 déjà. La technique que tu peux faire dans le jeu, si t'as du mal, à la limite, c'est d'essayer d'aller à l'extérieur, de provoquer l'autre à l'extérieur. Après l'autre il vient, et puis d'attaquer tout de suite quand il vient. Donc voilà, les deux catcheurs sont sur le ring. T'as un peu du mal et tout. T'arrives à te relever, tu vas vite à l'extérieur du ring pour récupérer un peu d'endurance et tout. Tu le narres, tu le provoques et tout. Et du coup après il vient aussi à l'extérieur du ring. Et dès qu'il arrive, tu l'attaques, quoi, tu le frappes, et après tu enchaînes les prises et les coups et tout. Et puis tu essaies de l'éloigner le plus possible du ring pour finir. Le mettre dans l'allée là, tu sais, où on entre. Comme ça, il mettra plus de temps forcément à aller sur le ring. Et quand t'es à 7-8 secondes, tu dépêches d'aller sur le ring. Donc on est sur le ring et comme ça, bah il y a un peu de chance peut-être qu'il n'arrive pas à temps, logiquement. Si tu l'as assez en plus assommé. C'est une tactique qui peut être efficace. Each of these competitors is looking for the slightest hint of weakness in the other. Well, that's a strategy you have to always have in the back of your head, Cole. If you ever see a weakness in your opponent, you gotta jump on it. Going for the cover. Match très disputé entre les deux, hein. C'est assez serré. On se retrouve pour la suite en WWE 2K16 pour la suite de cette soirée, donc SmackDown. 7 matchs, c'est le troisième, je crois, match.
Donc entre Goldust et Mark Henry, c'est un match entre IA contre IA. Je ne joue pas ce match-là, j'ai joué les deux premiers. Victoire de donc avec Roman Reigns contre Seth Rollins. Et victoire donc avec Dean Ambrose contre Kevin Owens. Troisième match là, Goldust, Mark Henry. En IA contre IA, je joue pas. C'est assez équilibré, hein, comme je vous ai dit. Comme je vous ai déjà dit, c'est assez équilibré. Il y a les deux ont déjà tenté des tombées, ont déjà beaucoup attaqué l'autre. C'est assez équilibré, assez passionnant ce match, mine de rien. Même si j'aime pas les deux catcheurs, c'est pas mes préférés. Mais c'est passionnant et voilà. Et le match se finit à l'instant. C'est Goldust qui remporte la victoire. Ouh là là, The Big Show qui repointe le bout de son nez. C'est vraiment bien fait. Match suivant, on enchaîne. Que la rivalité entre Big Show et Mark Henry continue. Ah ouais, c'est avec Mark Henry, je crois que c'était le contraire. Oui, oui, d'accord. Rivalité entre les deux continue. Ça va chauffer. Encore 4 semaines avant la fin de la rivalité. Donc ça veut dire dans 4 semaines, ils vont s'affronter. Tous les deux. Dans un... Voilà. Dans un PPV. La suite, alors quatrième match sur 7. Voilà, c'est le match Fatal 4-Way. 4 divas. Donc Paige, Nikki Bella, Becky Lynch que j'ai téléchargé donc dans les créations de la communauté. Et Sasha Banks que j'ai téléchargé aussi dans les créations de la communauté. Voilà, gros duel. Page à 87. Becky Lynch à 87. Sasha Banks 85. Et Nikki Bella 82, je crois, il me semble. Voilà, gros match. Alors moi je vais le jouer ce match là parce que moi je ma préférée c'est Page, hein, donc je vais essayer de jouer, ouais, je vais essayer de gagner avec Page. Ça risque d'être dur parce que quand il y en a 4 comme ça et avec Becky Lynch qui a 87 aussi là, ouais, ça peut être compliqué. Mais bon, la première diva qui réussit un tombé qui élimine une autre, et ben a gagné le match tout simplement. Voilà, c'est les règles. Thank you.
tear each other apart. I guarantee you that. That's why it's the best division in the world. And approaching the ring from Boston, Massachusetts, the Boss Mercedes. Look around. Everybody is on their feet right now. This one has all the makings of a dream match, Michael. Ça, Sasha Banks, alors, je suis pas sûr que c'est une création de la communauté, mais Sasha Banks, je suis pas sûr que ça soit bien elle. C'est peut-être Naomi plutôt, je sais pas. Bizarre comment elle est, je sais pas. Enfin. Donc, ouais, rejoindre. Page. Voilà, et c'est parti. For some reason, we have a fatal four-way Divas match in just one referee. I feel something's missing. That's a lot of mayhem in one ring to control. With Nikki Bella. Voilà, c'est dur parce que quand t'en attaques une, il y en a une qui peut t'attaquer. Nikki Bella knows how to polish off an opponent. Tu perds pareil bien sûr avec les hommes, hein, avec les superstars. Voilà, la Nikki Bella, on a bien compris, hein. There may be no fighting.
today. Too fast. I'd say that's more embarrassing. Ah ouais, mais... c'est invivable ce jeu, hein, mais bon. Oh là là, c'est impossible, je sais pas comment il faut faire. Le jeu de soumission, là, vraiment, faudrait m'expliquer quelqu'un y arrive, mais parce que vraiment, c'est... C'est quoi là? C'est un peu le bordel quand même. Oh là 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 là, c'est pas évident quand il y en a 4. Il attaque tout le monde, moi. Allez, allez, pas de pitié. C'est délirant total, mais c'est dur hein, quand même. Ouais, mais laisse-moi finir là. C'est n'importe quoi. Oh là là, mais... ah, c'est le fouillis, là. On va dire que... eh, je suis un peu paumé, quand même. Ouais, non, mais oh, l'autre, là, tu pour qui, toi? Allez. Je te laisse. Malheureusement. Ah. Mais. Putain, j'arrive pas à intervenir quand là, il y a. Oh, c'est un vrai bordel. C'est juste n'importe quoi. Ah. Par contre, elle a pas réagi, hein, l'autre à côté. C'est bizarre. Elle aurait dû casser mon le tombé de Page là. Je comprends pas bien là. Ah, ça a été un peu difficile finalement. C'était un peu difficile pour un peu quatre, un peu le foodie, un peu tu t'y perds un peu. C'est pas évident. Mais je trouve que c'est